Salut à tous les gamers, c'est moi Soldat Arthur, j'espère que vous allez bien, moi ça va vraiment nickel. Alors aujourd'hui comme vous pouvez constater, donc ça faisait assez longtemps, on se retrouve donc sur du Black Ops 2 sur PlayStation 3. Alors en mode studio, car comme vous aurez pu le constater dans le titre de la vidéo, donc mon frère a réalisé un 75-21 donc sur Hijacked en démolition. Donc je vais tout de suite lancer la vidéo donc en mode studio. Il a fait cette partie il y a assez longtemps, mais comme je vous l'avais jamais proposé en vidéo, j'ai décidé tout simplement de prendre mon micro et de vous commenter, essayer de vous commenter la vidéo, car je vais la regarder en même temps que vous et je vais essayer de vous décrire et de vous parler de deux trois petites choses, excusez-moi. Alors voilà, donc je vais faire R3. Donc alors il joue à la PDW57 personnalisée, donc en démolition. Vous allez voir qu'il va se faire 2-3 petits. Voilà. Déjà on commence directement avec une double. Il va essayer de poser sur A. Donc double meurtre. Donc sachant que la partie se joue à 99 ou 100 je crois. À 100 je crois. Donc là, alors voilà, 2 points pour gagner. Oula, je suis con, c'est vrai qu'on est en démolition. Donc alors, allez, on est reparti pour une autre double, suivi d'une petite triple. Allez, la quad. Allez, 5. On est parti pour le drone. Donc si je commente mal, hein, veuillez le dire dans les commentaires. Mais bon, comme je regarde la vidéo avec vous, c'est pas facile de prévoir ce qu'il fait à l'avance. Donc voilà, donc c'est ça qui est assez difficile. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc sur ma chaîne YouTube... j'ai fait 2-3 autres vidéos donc sur Battlefield 3, donc d'ailleurs je vous invite à aller les regarder si vous êtes intéressé par du Battlefield. Donc là il va lancer, oula, il a pas eu le temps de lancer son foudroiement, il va prendre le temps de le lancer. Alors il s'est fait juste un kill, 2 kills. Allez, on va rester sur les 2 kills. Il lance 2 flashs. Alors sachant que la PDWR est une très très bonne arme. Alors les 2-1, il a vu le deuxième. Le 2, oh dommage, il aurait pu se faire la petite triple, voire la quad avec l'insertion tactique qui était posée dans le coin. Alors là je sais pas pourquoi il avance tout doucement, c'est qu'il devait faire quelque chose. Donc je crois que d'ailleurs là il est premier, on va tout de suite regarder. Donc là il fait déjà un 10-4, allez la double. Allez, on va attendre qu'il réapparaît. Oh dommage, c'était un peu en mode campeur mais dommage. Donc là on doit être donc un 12-5. Je vous rappelle le score, il va faire un 75-21. Donc je sens que ça va être une bonne partie. Donc, je vais vous laisser un petit peu des suspense de temps en temps. Ok, donc là il se fait niquer donc sur la droite. Oh, il a failli se reprendre des balles. À peine respawn, il se prend des balles. Alors là il l'a vu. Oh là, donc et de 1. Vous pouvez voir qu'il a beaucoup de chance, la petite double, la petite triple, la petite quad. Allez, il va attendre qu'il réapparaît. Allez, coup de couteau, très bien joué. Donc un petit sanguinaire. Donc il est rendu à 5. Il va lancer son drone. Allez, 6. Oh, c'était bien joué. Donc il a donc son colis qui va lancer juste ici. Donc là déjà il se fait une très très bonne partie. Je pense qu'il était fier. Un 18-8. Donc ça reste correct. Donc là il a vu qu'il y en avait un en haut et un en bas à gauche. Là, hop hop hop. La petite double. Donc là, qu'est-ce qu'il a? Il a son robot terrestre. Donc je crois qu'il va le lancer. Ouais, il va bien le lancer. Oula, il y en a beaucoup. Allez, 1, 2. Oh, dommage. Donc la première manche est donc terminée. On va tout de suite passer à la deuxième manche. Donc on va regarder la killcam. Ah non, je crois qu'il n'y a pas de killcam. Non, il va pas y avoir de killcam. Voilà, donc mi-temps. Alors on est reparti, donc il a toujours pas lancé son robot terrestre. Je crois que d'ailleurs c'est ce qu'il va faire. Voilà. Et maintenant, il va se caler dans la piscine, il va prendre un petit bain de pied. Alors il va mourir, il voulait réapparaître dans le spawn ennemi, mais bon il est pas réapparu dans son spawn. Donc là son robot terrestre est donc maintenant lancé. Je crois qu'il va faire d'ailleurs pas mal de kills grâce à ça. Donc il a flashé un ennemi. Donc voilà, il l'a vu mais il est mort. Donc là il est déjà mort quand même 11 fois. Donc il va mourir encore 10 fois et après il va faire un carnage.
car là il est rendu qu'à 25. Alors voilà, la triple, la quad même avec grâce au robot terrestre. Vous pouvez voir que le robot terrestre va faire mais vraiment beaucoup de kills. Regardez, et de 1, la petite double, la petite triple, bye soldat Arthur. Et mon projet, donc lors de ma prochaine vidéo, je pense que ce sera peut-être une OCE ou un montage. Car je kiffe ça, mais bon, avec mon petit frère, c'est lui qui réalise quand même le plus de travail dans le montage. Donc vous allez dire, la honte, ton petit frère il a 11 ans, t'en as bientôt 16. Et c'est ton petit frère qui te fait les montages et les OCE, mais c'est normal, c'est un petit génie, donc on va dire que j'ai un peu du mal à regarder les tutos, donc lui il préfère le faire à ma place. Donc je pense que la prochaine fois ce sera un montage, mais vous savez très bien qu'à chaque fois que je fais un montage il y a une chose de nouvelle, un petit effet de nouveau ou un truc comme ça. Donc là il a vu qu'il était juste en haut, il va essayer de lui avoir en headshot. Alors vous pouvez voir qu'elle bouge vraiment la PDW, excusez-moi. Oula, on a failli lui voler son Dragonfire. Ah non, c'est RCXD, je crois que c'était le logo Dragonfire. Et je vais aussi peut-être donc changer de boîtier d'acquisition, donc je vais peut-être prendre un Aver Media, on sait pas trop encore pour le moment. Donc là il commence à faire un petit peu n'importe quoi, mais vous inquiétez pas, c'est pas encore du tout terminé. Donc il est rendu à 43, donc déjà un très très bon score. Donc il a passé un niveau, il pose la bombe, il s'en fait un. Ah, enfin il l'a pas eu. Ah oui, je le rappelle aussi qu'il est accompagné d'un ami, je crois, Nezizakod. Donc voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous aimez les petites parties comme ça. Donc commentez bref à l'arrache. Mais la prochaine fois je vais m'améliorer, car c'est que j'avais pas eu trop le temps, excusez-moi, j'arrive plus à parler. Alors là il voit qu'il y en a juste en haut. Donc il va l'avoir, il va débloquer le viseur. Je sais plus comment il s'appelle ce viseur. Alors il va l'avoir. Ah non, ah si, il l'a eu, j'ai cru qu'on lui avait piqué le kill. Alors juste en face, par contre ouais, elle bouge de trop je crois, donc c'est pour ça qu'il va viser un peu plus vers le bas maintenant. Donc il a le drone comme vous pouvez le constater. Il recharge. En bas il y a du monde, hein, parce que je vois qu'il y a plein d'ennemis qui se font tuer. Voilà. Vous pouvez voir qu'avec la PDW les kills passent vraiment vraiment crème. Ils passent vraiment vraiment bien. Donc là il désamorce. Donc j'espère que ses copains vont l'aider. Voilà, donc il désamorce. Donc il vient de désamorcer 10 bombes. Enfin pas lors de cette partie, mais en tout. Donc là il va balancer son foudroiement. Il a encore un colis stratégique. Donc là il se fait une petite double, hein. Une petite double normale. Il balance son colis, espérant que aucun ennemi ne vont lui prendre. Allez, encore un petit kill. Vous pouvez voir, franchement ouais, ça passe crème. D'ailleurs je crois que je vais m'y mettre moi aussi à vous faire des petites parties comme ça à la PDW. Il obtient un gardien, que chose utile en démolition. Donc là je sais pas où il voulait le mettre. Ah oui, il voulait le mettre ici. Assistance avec drone, il en a plein, hein. Allez, il va se le faire au couteau. Us, il l'a pas eu. Alors encore un foudrement, encore un colis stratégique. Mais dis donc, on est rendu à combien dans tout ça? On est rendu à 54-15. La vidéo, je vais voir si elle est bientôt terminée. On a un peu plus de la moitié de la vidéo. Donc en ligne c'est vraiment une bonne partie, hein, 75-21 ce qui me semble. Donc là il va obtenir un missile Hellstorm. Donc là il sait pas trop où le lancer, donc espérons qu'il se fasse au moins un kill. Allez, un seul kill. Bon, ah non, deux kills, donc c'est toujours bien. C'est déjà ça, vous allez me dire. Allez, encore un. Franchement ouais, la PDW avec silencieux, ça passe vraiment bien. Donc pour petite info à ceux qui m'ont déjà posé la question, hein, j'enregistre ma voix avec un Triton AX720 et Audacity pour ceux qui ne le savent pas. Donc là la petite triple, on peut voir que c'est au moins la deuxième ou la troisième lors de cette partie. Donc on était avec Nessie Zakod, Zakod, et il faisait un 33-14, donc il est juste en dessous de nous. Il est deuxième, donc c'est un ami d'ailleurs que je lui passe le bonjour via YouTube. Allez, encore un missile Hellstorm, le deuxième. Donc là je crois qu'il va se suicider. Ah, eh bien non, il a eu chaud. On est déjà rendu à 9 minutes de vidéo. J'espère que vous aimez ces petites vidéos là, surtout les scores de mon petit frère, donc alias XX Platine si vous préférez aller voir un petit peu sa chaîne YouTube. Si vous voulez découvrir un petit peu de Minecraft, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube.
Un petit coup de pub, hein. Je recharge. Dès la pub. Alors là, je crois qu'il en a vu un. Voilà. Il en a vu un aussi à gauche. Donc il va tout de suite aller l'attaquer. Voilà. Donc il est déjà à 1, je crois. Ou même un peu plus. Ah bah non, il est à beaucoup plus puisqu'il va bientôt avoir son... son drone, son foudroiement. Je vois pas trop bien. Je vois pas très bien, excusez-moi. Donc là, il est déjà mort 16 fois. Donc 16 fois et on est à la première manche. Donc là, égalité. Donc la première équipe qui gagne donc remporte la partie. Donc j'espère qu'ils vont faire un bon score. Donc vous pouvez voir sur mon arme le signe mastodonte que j'ai réalisé avec mon petit frère via YouTube. Enfin, il y avait l'image, il y avait l'icône, on va dire. Là, on le voit très bien. Le signe mastodonte qui est un bel emblème. Allez, là, l'équipe, on y croit. Je sens qu'ils vont gagner. Je sais même plus s'ils vont gagner ou perdre pour vous dire. Allez, et de 1. Et de 2. Le troisième. Le 3. Même pas. Les autres, ils se mettent à la PDW aussi, je vois ça. Allez, petite flash. Il en a flashé un ou deux. Donc il va se grouiller de se faire tuer. Pourtant l'équipe, si vous regardez bien, attendez, excusez-moi. Ouais, enfin ils avaient un bon niveau aussi. La double headshot, la triple. Alors on est parti pour une quad. La quad. Oh non, dommage. Donc là il se relâche un petit peu, il est mort 19 fois. On dirait pas hein, comme ça qu'il en a tué 71. Mais quand même il a réalisé un très très bon score. Donc là il leur reste 29 secondes à défendre et ils gagnent la partie. Donc j'espère qu'ils vont gagner. Allez, la petite double. On va essayer la triple. Même pas. Allez, et de 1. Oh non, et de 2. Oh non, c'était bien joué à toi. Allez, là il leur reste 40 secondes à te défendre. Et la partie est terminée. Allez, il y en a un ou deux qui vont réapparaître, bien sûr. Alors, je crois qu'il a mis une insertion, je suis pas sûr. Ah, en tout cas, il y a la RCXD qui vient de se prendre. Garde-main débloqué pour la PDW 57. La petite trip de Nezizakod. Nezizakod. Faut que j'apprenne à dire son idée. Et peut-être que la prochaine vidéo d'ailleurs sur ma chaîne, soit ça sera un montage ou une edit ou une OCE, ou soit je ferai une partie avec mon grand frère qui vit en Australie, donc à 10 000 km de la France. La manche a été gagnée. Donc la prochaine vidéo sera peut-être avec mon grand frère, donc qui vit en Australie et qui s'est acheté la PlayStation 3. Donc d'ailleurs il est tout fier. Donc il peut jouer maintenant avec ses frères, donc avec moi bien sûr. Et je pense qu'on pourra partager des petites vidéos avec lui. Ça pourrait être sympa. Donc je vais quitter parce que là l'image est stoppée. Donc là on est rendu à 13 minutes de vidéo. Je vais prendre une petite minute là pour vous expliquer. La prochaine vidéo sera peut-être un montage ou je sais pas. Dites dans les commentaires si vous avez juste si vous avez 1, 2, 3, 4. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, dites dans les commentaires si vous préférez voir un montage ou une petite vidéo avec mon grand frère. Bon, pour le moment il a pas un bon niveau exceptionnel, on va dire. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous invite, je le dis jamais, ça, que je vous invite à vous abonner et à regarder mes autres vidéos. Enfin, les abonnés, moi je m'en fiche un peu. Je préfère avoir beaucoup de vues que plein d'abonnés. Donc merci d'ailleurs d'avoir regardé cette vidéo. Donc partagez cette vidéo si vous le voulez. Faites ce que vous voulez, abonnez-vous, regardez d'autres vidéos, likez, commentez, n'importe quoi. Donc allez, bye tout le monde. C'était...